Salut les amis! Alors aujourd'hui, on est dans la véranda, ça veut dire bricolage. Bon, les amis, alors du coup, moi je vais vous présenter ce qu'on va faire. Voilà, alors pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. C'est une bande de papier, bande de carton. Voilà. Et vous avez reconnu, c'est un moteur d'entraînement, de suivi d'ascension droite très rudimentaire. Je vais faire le réglage ici. Alors on va l'installer sur eh bien la bête, mais bon, c'est théoriquement à la base c'est pas prévu parce que il n'y a rien pour accrocher ça. Donc on va se faire un petit gabarit en carton et ensuite ce gabarit carton ça va se transformer en fait ça va être une languette d'acier, hein, une languette de pas d'acier de métal, hein. Et on va placer le moteur d'ascension droite sur le télescope. Donc, eh bien, on va installer le moteur ici. Hop, voilà. Et donc, le moteur devra suivre. Il va être solidaire de cette pièce. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il tienne. Il faut qu'il tienne. Pour l'instant, ben, c'est pas prévu à la base pour installer un moteur d'ascension droite. Donc, je vais fabriquer cette petite languette qui va me servir, voilà, hop, hop, que je dis pas de bêtises, non, c'est comme ça, hop, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire, voilà. Hop, voilà. Bon, côté matériel, donc mis à part une bande de papier et un moteur en ascension droite de récupération, hein, c'est un truc que j'ai eu avec le télescope que voici, là. Donc c'est un moteur tout basique, hein, ça coûte rien. Donc je vais utiliser ça. Hein, c'est une plaque métallique qui vient d'un coffrage d'ordinateur de récupération trouvé à la décharge. Ou je sais pas, vous en avez peut-être un vieux dans un placard, toujours des gens qui ont des vieux ordinateurs. Donc je vais découper la bande à la meuleuse. Très exactement. La bonne taille, c'est nickel. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc on va découper à la meuleuse, on va percer et on va plier et on va fixer. Voilà. C'est parti, on va aller dans l'atelier.
Voilà, pour l'instant, on va s'occuper du marteau et du poinçon. Alors, le poinçon, hein, poinçon de récupération, un clou de chantier. Voilà, donc ici, vous avez des petits trous, hein, on met simplement l'endroit où on va frapper. Hop, on a fait une marque. Et on continue, on fait toutes nos marques. Voilà. Donc on a poinçonné. Maintenant, on va percer. Voilà, donc je vais utiliser c'est du lubrifiant pour chaîne de vélo, hein, tout simplement. Hein. Voilà, vous utilisez ce que vous avez. Hein. Si vous n'avez pas ça, de l'huile à salade, ça marche très bien. Voilà. Ce que c'est que ça lâche d'un coup, hein, donc faire gaffe. Et ça, c'est le dernier trou. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va poncer un peu tout ça. Donc, je vais prendre des têtes à poncer. Bon, alors on a une pliure à faire qui se trouve ici. Donc ce qu'on va faire, eh ben c'est qu'on va la plier. Alors, il faut la plier dans le bon sens. Et le bon sens, voilà, faut le côté noir, c'est le côté noir, c'est le côté qui va être à l'extérieur. Le côté fer, c'est ce qui va être à l'intérieur. D'accord? Donc, ici on va avoir notre courbure. Donc il va falloir le plier comme ça. Donc on va le placer tout simplement dans l'étau qui se trouve ici. Plié. Elle est pas belle la vie. On va aller la former directement sur le télescope, hein, sur la lunette, sur le pied de la lunette. Allez, vous venez. Et bien voilà. On a notre pièce, alors c'est nickel, franchement, ça rentre tout seul. Voilà. Voilà. Donc on va venir placer le moteur ici, à cet endroit-là. Donc c'est là où il va être installé. Donc on le met bien là, ici, au niveau de l'axe. Voilà. Et puis on va maintenant former. On est bien à plat. Et on va bien venir former notre cercle. Notre. Voilà. Voilà. Il est formé, donc ça se forme tout seul. Donc maintenant qu'on a fait ça, il s'agit de mettre donc une vis traversante qui va de là, voilà, hop, une vis traversante qui va de là à là à là, voilà, pour pouvoir fermer le collier. Ok, allez, on va chercher ça. Et eh bien voilà les amis, le dispositif est monté. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un collier. Voilà. Donc le collier qui est solidaire de la partie mobile. Voilà. Et qui vient donc fixer le moteur sur l'axe. Voilà. Alors pour fixer le collier, j'ai utilisé un piquet de sardine. Voilà, et ça va, ça fait très bien l'affaire. Pas besoin, je pensais qu'il y aurait besoin d'avoir quelque chose pour serrer avec un écrou, mais franchement, pas besoin. Hop, je vais passer de l'autre côté pour vous montrer le dispositif de l'autre côté. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble.
Alors j'ai fait une petite pliure ici, là. Ici. J'ai replié un petit peu le bout, là, pour que ce soit parallèle. Hein, vous allez vite comprendre. Hop. Je sais pas si je peux avoir un meilleur angle de vue. Voilà, pour que cette partie-là soit parallèle avec celle-là. Hein, voilà. Eh bien, voilà les astros. On a motorisé la bête. Qui va me laisser un peu de temps quand même pour faire de l'astro-dessin un peu plus facilement, sans toujours jouer de la manette. Hein. Voilà, je suis tranquille, je mets en station, je pointe mon objet, j'allume mon moteur et je dessine. Voilà, j'ai plus à m'occuper de rien d'autre. Voilà, peut-être un petit alignement de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Voilà les amis. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ça, hein? Je vais le garder quand même. Allez, salut, où que vous soyez dans l'univers, les amis, portez-vous bien.